Ces herbes d'éponge, on se retrouve sur cette vidéo donc de découverte assez spéciale pour la Xbox 360. Donc tout simplement, je vais vous présenter trois applications. Premièrement, l'application Xbox 360 Smart Glass. Donc actuellement, je suis connecté sur la Xbox 360, mais pas sur la vraie en fait, sur PC directement. Donc là, tout simplement, c'est l'accueil Xbox. Voilà, donc là, mes derniers jeux auxquels j'ai joué. Voilà. Ah, je ne connais pas, j'ai dit tout ça avec vous. Bref. Dernier jeu que j'ai joué, c'était Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Donc, attendez, je vais mettre Xbox. Et je vais pouvoir lancer directement le jeu qui est sur dans ma console. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième application. Donc là, c'est Xbox aussi. Donc là, tout simplement, c'est un truc pour pouvoir voir déjà les amis connectés. Voilà, donc là, j'ai 17 amis connectés, 50 fois hors ligne. Là, c'est les succès qu'ils ont débloqué, bah, les gens, quoi. Ouais. Ça, c'est un jeu qui est gratuit en ce moment sur le Gold. Ouais. Ça, c'est le groupe d'amis. Hein. Les messages, tout simplement. Voilà. Là, c'est... Je sais pas. Ok. Voilà. Je sais pas, mais elle est assez sympa, l'application est stylée aussi. On voit tout ce que font les amis. Rappelez, c'est une amie qui vient de débloquer ce succès il y a 32 minutes, donc c'est écrit en haut, 33 minutes. Hein. C'est pas des fils comme ça. Bon, retournons sur ça. Bon, voilà, c'est bon, elle est allumée. Du coup, je vais lire sur Xbox 360. Et là, ça a lancé directement le jeu sur ma Xbox 360. Voilà. Enfin, sur PC, ça fait rien. Je crois que c'est le succès que j'ai débloqué. 37% du jeu. Similaire. Ouais, bah, bref. Débloqué 20 sur 58 succès. Donc, je joue presque jamais en mode histoire. Hein. Très rare. Ah, c'était quoi ça? Voilà, tout simplement. Je vais baisser le son de ma télé. Voilà. voilà, donc bref, hein, j'ai lancé le jeu. J'ai lancé automatiquement sur les Xbox. Hein. Bon, après, je pense pas que ça va vraiment sur Adobe. Je pense pas que ça va faire si je mets R sur Xbox 360. Donc là, puisque j'ai lancé la Xbox, enfin, GTA, et bah là, je vais lancer la WWE, donc là, bah, je leur dis, je sais pas, ça va me donner, je pense pas. En gros, ça met fin à GTA, enfin, bref, là, je vais pas faire, hein. Bah, donc, on pourrait y revenir après. Et le troisième, c'est le truc d'Avatar, hein. Voilà, donc, voilà. C'est pour changer son avatar. Je ça. Là, c'est les vêtements. Là, je... Ouais, je crois. Marche avatar. Je ne peux pas je découpe seulement le jeu en étant vu. Ouais, les avatars de mes amis, là, c'est l'avatar de mes amis, hein, comme c'est dit. Ok, je sais pas.
chien de la vacance sur notre compte et de notre application Fed. Voilà, bon, tout simplement, c'est des petites applications sympas. Simplement, j'ai été chargé sur Windows Store que moi. Moi, il se trouve là. C'est bien sûr, bien sûr. Sur Windows Tablet. Voilà, moi j'ai trouvé là, Windows Store. C'est frais pour charger les jeux. Xbox, ça m'a fiché plein de trucs. Ça, c'est des jeux. Donc, ça, c'est voilà. J'utilise pour le menu. Donc là. Voilà. Mon truc de retard de fermer. Xbox, donc ça, c'est pour ça pour les jeunes connectés. Avatar Xbox, donc pour les avatars. Xbox Beta, je sais pas, ça, c'est pour les jeux. Ça, c'est sur Xbox, je l'avais essayé en fait. Simplement, la manière sur Xbox. Attends. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais je vais essayer de télécharger. On me dit que j'ai mis mon affiche au PC. Et puis bah, ça m'a rien fait, donc je ne sais pas du tout. Voilà. C'était une vidéo assez spéciale. Pas tu le caches, je sais quoi. Je pense que ça en fait partie. Après, il y a plus d'applications, après, faut chercher. Alors, après, bon, regardez les commentaires des gens. Donc, ça, je pense, bah, d'après ce que je viens de voir, les commentaires, c'est un truc pour chercher des jeux, hein. En commentaire, j'aime chercher les jeux de docteur. Bon, voilà, quoi. Après, il y a le magazine et tout, il y a le briefing. Enfin, il y a de tout, hein. Donc comme j'ai dit, je trouve ça assez stylé, c'est sympa, voilà quoi. Puis moi je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Alors c'était Zob l'éponge, je vais vous trouver pour une toute prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.